Sur le plateau de Télématin, Thomas Dutronc a pris plaisir à parler de son cher papa avec qui il vient d'assurer une belle tournée. Il a partagé avec le public une savoureuse anecdote sur Jacques Dutronc. Fils de légende de la musique française, Thomas Dutronc ne porte pas le poids de l'image de ses parents Jacques Dutronc et Françoise Hardy comme un fardeau. Bien au contraire, il sait s'adapter à ce statut particulier d'enfant de star et collabore avec plaisir avec eux. Notamment son père avec qui il a assuré une tournée exceptionnelle. Elle est désormais terminée, mais le plaisir est prolongé avec un disque, baptisé tout simplement Tournée Générale. À cette occasion, le guitariste hors pair âgé de 50 ans est venu s'exprimer sur le plateau de Télématin, France 2, ce 18 décembre 2023. L'occasion de délivrer de truculentes anecdotes. Jacques Dutronc est un homme parfois insolent, irrévérencieux, aussi esprit libre qu'il est talentueux. Preuve en est avec cette histoire savoureuse révélée par son fils Thomas dans Télématin. Quand on lui demande s'il paraît que Jacques s'amusait à fêter Noël en avril, il répond « Oui, si est-il vrai, je m'en souviens avec son vieux copain Jean-Louis, il était déguisé en Père Noël et on était descendu dans un restaurant d'Amis. Et il se baladait comme ça, il arrêtait les gens sur la route habillés en Père Noël. Pourquoi une telle fantaisie? Je ne sais pas, c'était pour rigoler. » Et ce qui est génial, si est-il que la barbe, à la fin, elle a fini dans le dos, et donc le mec avait vraiment la tête de Léo Ferré. C'était un déguisement double, Père Noël et Léo Ferré. Jacques Dutronc était ravi de se jouer des codes, une attitude qui a toujours amusé son fils unique. On a pu mesurer leur complicité pudique lors du message qu'il a transmis à Télématin pour son fiston depuis sa Corse chérie où il vit avec sa compagne Sylvie, tendre mais sans effusion de bons sentiments. Pas de nouvelles de Françoise Hardy dans Télématin lors de son passage, sa maman Françoise Hardy, dont Thomas Dutronc est très proche, sera évoquée tendrement mais brièvement. Son actualité ne se prête pas à une discussion légère, puisque l'interprète de messages personnels fait face à une santé très difficile. La chanteuse, suivie depuis plusieurs années pour les suites d'un cancer du pharynx, vit un cauchemar et veut partir bientôt et de façon rapide, selon une interview dans Paris Match. Celle qui doit fêter ses 80 ans le 17 janvier 2024 s'est déjà déclarée à plusieurs reprises en faveur de l'euthanasie ces dernières années. Un projet de loi sur la fin de vie doit être présenté courant février.